Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Reçois, por favor, le beatmaker qui est en train de monter en puissance. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment il est assez facile et simple aujourd'hui de gagner l'argent sur YouTube. Quand je dis gagner l'argent sur YouTube, ce n'est rien à voir avec la monétisation classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire gonfler sa chaîne YouTube au travers des vues. Moi, je ne me base principalement pas sur cette stratégie-là. Donc, quelle est la stratégie assez puissante et qui est un pilier aujourd'hui pour pouvoir facilement faire grimper ton chiffre d'affaires grâce à YouTube? Donc, il s'agit tout simplement de la vente de produits ou de services. Donc, quand j'ai créé un produit, ça veut dire quoi? Avant de créer un produit, tu dois analyser non seulement la tendance du marché, tu dois analyser non seulement quelles sont les attentes de tes potentiels futurs clients. Je te prends un exemple assez simple. Si aujourd'hui, moi je suis beatmaker, je veux vendre des instrumentales, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais créer des instrumentales que je vais appeler des instrumentales type commercial, soit je vais me créer plusieurs types de services tels que le service mix mastering, les services produits commandes, des services arrangement et traitement de voix. Donc tu vois, il y a plein de trucs que je peux déjà créer comme service pour pouvoir attirer les personnes et les vendre plus tard. Donc la deuxième des choses, après avoir créé tes différents produits et services, c'est de commencer à attirer des différentes personnes vers toi. Mais le plus important, c'est d'attirer les meilleures personnes. Quand je dis attirer les meilleures personnes, il ne s'agit pas de faire un post sur Facebook à la légère. Il s'agit d'attirer des personnes qui seront intéressées par tes différents produits et services. Ça, c'est la clé de ton business. Donc, comment savoir quelles seront les différentes personnes qui seront intéressées par mon produit ou mon service? C'est assez simple. Je reviens encore sur mon cas par exemple. Je suis beatmaker. Alors, mon produit, c'est quoi? Mon produit, c'est l'instrumental. Qui peut être intéressé par des instrumentales? Des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Des artistes qui ont déjà une cote de popularité, qui sont déjà connus. Donc, je peux les accoster. Mais le seul problème que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que lorsque tu contactes un artiste qui est déjà connu, automatiquement, tu ne peux pas le vendre ton instrumental assez cher. Plusieurs personnes ne savent pas que beaucoup d'artistes qui sont connus n'achètent pratiquement jamais les instrumentales. Tout simplement parce qu'il va dire au beatmaker, bon voilà, tu sais, moi, on me connaît déjà, donc si je pose sur ton instru, automatiquement, tu auras la visibilité, tu vas pouvoir vendre toi-même tes produits après. Donc, c'est un peu cette politique qui se passe. Voilà, donc je reviens donc au cas numéro 2. Attirer des différentes personnes. Il faut que ces personnes que tu attires soient passionnées par ton produit ou passionnées dans le domaine où ton produit se trouve. Donc la troisième étape, après avoir créé le produit, après avoir attiré des personnes, la troisième des choses à faire, c'est d'essayer de convertir ces différentes personnes. Et maintenant, comment la conversion se passe? La conversion se passe avec des stratégies marketing. Et ça, c'est déjà le commerce digital. Stratégie marketing, c'est tout un processus qui permet à quelqu'un qui découvre de pouvoir quitter d'un prospect à un client. Donc, ceci s'effectue grâce à plusieurs paramètres et plusieurs outils tels que des tunnels de vente, des pages de capture, des pages de vente et plein d'autres trucs. Voilà, donc c'est tous ces différents outils et logiciels qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir facilement convertir des personnes qui te découvrent en euros assez facilement. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai partagé comment tu peux facilement gagner de l'argent sur YouTube. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, partage la vidéo à tes proches. Et tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. J'ai une série 3 vidéos où je te montre de façon simple, de A à Z, comment créer un business sur ta musique, comment tu peux facilement attirer des personnes et les vendre tes différents produits en tant que beatmaker. C'était Paul Favor. Ciao!